Yo tout le monde, c'est les Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter le deck le plus cancer et le plus détesté avec la foreuse Goblin dedans. Au moins, il est bien placé, ça c'est sûr. Il est énormément détesté par les joueurs à très haut niveau, c'est ce deck foreuse-ci. Je vous ai déjà présenté des versions similaires, je crois, avec les sapeurs, avec la Valkyrie et tout. Mais c'est cette version qui ressort le plus, c'est cette version qui est détestée par les joueurs à très haut niveau. Et du coup, on va tester ça tout simplement. En ladder, on est parti directement dans la première game. Mais avant ça, on n'hésite pas à s'abonner puisqu'il y a encore plus de 55% des gens qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés à la chaîne. C'est un truc de ouf. Et même si vous êtes abonné, vérifiez bien puisque apparemment YouTube désabonne pardon certains d'entre vous. On en a discuté un petit peu l'autre jour en live et vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir été désabonnés. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné et si c'est pas le cas, et bah vous avez juste à appuyer sur le petit bouton. Allez, on est parti directement dans la première game. Petit Dark Prince au fond du terrain. Le principe du deck c'est quoi? C'est d'envoyer un maximum de Foreuse Goblin et de défendre avec le minimum d'élixir derrière, tout simplement. On va envoyer la première foreuse, là il va devoir rajouter quelque chose sinon ça va faire très très mal. La Tesla qui va être super efficace aussi dans ce deck. On prépare la boule de feu pour une potentielle machine volante. Ok, pas de machine volante. Les fléchas pour défendre tout ça. Ok. On commence tranquillement, on a pris pas mal de dégâts quand même sur les recrues. J'aurais peut-être pu rajouter un esprit de feu ou des squelettes mais bon c'est pas trop grave. On découvre quand même le deck et je crois que c'est, si je dis pas de bêtises... C'est l'ancien deck de Wotop, hein. Enfin, quand je dis l'ancien deck de Wotop, c'est le deck recru. Ah bah tiens, je crois que les cochons ont été vite remplacés, hein. Ah bah yes. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'envoie une boule de feu pour mon bomber. J'ai été un petit peu surpris, j'avoue, on a pris pas mal de dégâts. Oh, après, rien de très grave, hein. 1000 points de vie, ça se rattrape très facilement. On va lui faire la même, écoutez, hein. Hop là, toi aussi, tu veux jouer à ça? Ok, les gobelins qui vont rester en vie. Ah ouais bah je pense qu'il avait anticipé peut-être un coup de bomber en plus. Du coup la foreuse qui est mort un tout petit peu plus tard. Et du coup les gobelins qui sont pas morts, hop on va les dire un petit merci quand même. Puisqu'on est on aime bien BM. Nous on aime bien BM les gars. On BM à fond et puis bah c'est parti. On va cycler notre petit bomber et on va commencer à installer notre défense. Il faut pas avoir peur de poser votre Tesla un petit peu en avance. Bon quand vous le faites, essayez quand même de les mettre un peu plus haute. Ça dépend ce qu'ils jouent en face. Mais vu le nombre de... Enfin les points de vie qui sont abusés de cette carte, vous pouvez clairement la poser en avance. Ça fera toujours du bon taf. Ensuite on va mettre un petit prince ténébreux de ce côté là. Regardez hein. Elle est à peine midlife hein. C'est un truc de ouf. Ok, ça, ça dégage. J'aurais peut-être pu péter le bouclier d'abord. Regardez, regardez la Tesla. Je l'ai posée il y a 20 ans. 20 ans qu'elle est posée cette Tesla. Genre, c'est un truc de ouf. La foreuse, on attend de savoir où elle est pour positionner. Et puis voilà, emballé, c'est pesé. Normalement, ça devrait suffire. Mais c'est un truc de ouf. Je pense honnêtement, s'il y a une carte à nerf actuellement dans le jeu, c'est la Tesla. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais la Tesla, pour moi, elle est beaucoup, beaucoup trop forte. Déjà, quand elle était jouée dans l'Arc-X, je trouvais qu'elle était forte. Mais là, je sais pas pourquoi elle est en train de sortir du lot comme ça. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Et regardez, regardez la défense du deck. Hein. Une fois que vous avez verrouillé, c'est impossible pour lui de passer. En fait, ça dépend surtout des counters qu'il a pour la foreuse goblin en face. S'il a un seul counter qui tape en zone style Bullis, Dark Prince, Valkyrie, vous avez juste à l'outcycle. Là où ça devient beaucoup plus compliqué si jamais il en a deux. Parce que là ça devient plus compliqué à outcycle. Il faut jouer différemment un petit peu. On verra si on croise cette situation. Mais pour l'instant ça part tranquille. Hein. Une première victoire bien maîtrisée. On sent que c'est un deck méta. Très clairement. Bah écoutez, moi je pense qu'on va partir en foreuse hein, direct. Petit combo foreuse bombardier. On attend bien quand même que la foreuse passe devant. C'est très très efficace hein, ce duo. Voilà, parce que ça force encore. Mais c'est un truc de ouf. Encore du PK. Ah non, c'est pas du PK, c'est du 3M. Je me suis dit quand même, ça commence à faire beaucoup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, tac. Je sais pas quel était le mieux entre faire sauter l'esprit de feu ou gratter un coup sur le Dark Prince. Mais dans tous les cas, on va garder notre boule de feu. On n'envoie surtout pas la boule de feu sur la pompe. En vrai, est-ce qu'on pourrait pas envoyer? En vrai, j'ai jamais fait. J'avoue, c'est un test. Foreuse sur la pompe. Oh! Oh la value! Oh mama la value! Let's go! Ah, il pouvait pas me faire plus plaisir là. Chasseur plus pompe. Bon, après, le problème, c'est 6 pas en 3M. Ça peut poser un petit peu de soucis, mais sinon on part en bombardier. Hein.
Bombardier fond du terrain, on mettra sûrement les squelettes pour distraire. Oh, il est relou. Oh, le mec est relou. Ok. Les squelettes bien au middle. Ah, j'ai raté. Ok, s'il met une voleuse, là, il est mort. Enfin, s'il la met sur la foreuse. Ok, il a essayé de bloquer. Ce coup-ci, on l'a varié un petit peu. Ok, le gobelin qui connecte. Ça, c'est parfait. Regardez le gobelin qui va gratter la pompe. Le deuxième gobelin. La bûche qui est forcée. La bûche qui est trop tôt. Et le bombeur encore qui connecte. Vous voyez l'importance du timing et de l'ordre des troupes. Là, le fait d'avoir un petit push bombeur plus Dark Prince plus le reste. Et bah, ça a clairement fait le taf. Oh, le relou. Oh, le relou. Ouais, j'ai raté. Ok, on lui refait la même. Je pense qu'on va... Ça part en pré-shot, hein. Un peu tôt. Un peu... Beaucoup tôt, même. Beaucoup trop tôt, la boule de feu. Ouais, j'ai trop l'habitude du mineur, en fait. J'étais calé sur les pré-shots mineurs. Je sais pas si vous vous souvenez, quand vous envoyez un mineur et que vous envoyez une boule de feu avec. Et là, le problème, c'est que... bah, la foreuse met à peu près 300 ans pour arriver. Donc, il a eu le temps de la voir arriver, très clairement. Oh, je rate toutes mes troupes. C'est un truc de ouf. Si tu pouvais focus ça... Ça y est, il a enfin compris où il fallait mettre la pompe, c'est bien. Ok. Il a plus de... Oh, ça va faire mal, hein. Ça va faire très très mal. Il va sûrement rajouter quelque chose, voilà. Magnifique bûche de ma part, hein. On n'a rien vu. Ok, là c'est la partie un peu moins fun. On va mettre la Tesla assez basse, ça sert à rien qu'on la mette plus haute. Voilà, ce serait un peu trop risqué. On va faire charger ça comme ça. Comme ça, ça on le met ici. Oh là, ça y a du monde. Hein. Il y a beaucoup de monde même. Non! Aïe aïe aïe. C'est bon, on équilibre. Ok. Ouh. Et bah, c'était chaud. Hein. C'était très très chaud même. Alors, est-ce qu'il va poser ces 3M là? Oh, je vais tous les rater. Oh, c'était chaud! Non, 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 mais j'ai rien pour cette merde! Mais mes 3 ont arrivé! J'ai rien pour le prince! Pour le. Ça manque de troupes! Il faut que je sois plus agressif. Je pense qu'il faut que je sois beaucoup plus agressif sur les foreuses. Mais c'est un truc de ouf! J'ai rien à chaque fois dans mes decks pour défendre. J'ai qu'une seule troupe pour le Dark Prince. Sinon, j'ai que dalle. Le Ghost, pardon. Bon, c'est pas grave. On a fait de la merde. On n'a pas été assez agressif. Voilà, ça c'est ce qu'il faut, pas faire, pardon. Je pense que c'est ça. Ouais, j'ai pas assez gratté en fois. Hein. J'aurais dû mettre plus de pression mon pré-shot boule de feu. Hein. Mon pré-shot boule de feu qui, certes, sur le moment, m'a pas puni tant que ça. Mais vous voyez que bah, les répercussions se font plus tard. Puisque j'étais censé avoir gratté beaucoup plus. Oh, une fournaise. Oh là là. C'est que des cartes cancer en ce moment. Hein. Je déteste la méta actuelle. Heureusement que je joue plus en compétition. Que des decks relous. Hein. Eh bien, super, ça va poser une Tesla. Hein. Non. Ok, j'ai cru que le gobelin allait connecter sur la tour. Ok, il y a sûrement un méga chevalier en face. Et une charrette à canon, je crois. C'est ça, hein, le deck. Ok, pas du tout. Certes. Et bah, on va essayer d'être plus agressif, hein, comme prévu. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Parce que la Tesla va plus avoir beaucoup de points de vie. Je sais qu'elle est très forte, mais quand même. Ok, mais regardez la Tesla. Hein. Regardez-moi juste cette Tesla, en fait. Non, pourquoi je mets mes squelettes ici? Il y a un prince qui arrive de l'autre côté. Ok, on va prendre des bons dégâts quand même à droite, mine de rien. Mais au moins, on connaît ce qui est en face. Du coup, c'est un double spawner géant gobelin prince. Normalement, c'est pas du tout ce qu'il y a dans les doubles spawners, mais pourquoi pas. Le problème, c'est que notre bombeur, il va se faire jurer. En fait, c'est ça. C'est que maintenant que les esprits de feu résistent, c'est devenu beaucoup trop fort. Hein. Est-ce qu'on peut gérer la fin de la fournaise? Allez, vite, vite, vite. Allez, s'il vous plaît. Merci. Et je suis obligé de mettre une Tesla parce que j'ai rien pour temporiser tranquille. J'ai pas de mousquetaire, j'ai pas de... Ouais, c'est un deck de bourrin en fait. Il faut que je bourrine en attaque. C'est ça. C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Ah, le prince, ça défend correctement quand même. Oh, j'espère que je ne l'ai pas posé trop tôt. Non, c'est bon, ça devrait aller.
Ok, ce coup-ci c'est beaucoup mieux. J'ai gardé déjà mes squelettes. Attention aux zaps tout de même. Et voilà, et là, on commence à bourriner un petit peu. Bam, la bûche, parfait. La belle boule de feu là-dessus, nickel. On défend toujours les esprits. Ouais, c'est ça, il faut que je sois beaucoup plus agressif sur les foreuses en fait. Je joue trop en mode fond du terrain. Alors que c'est encore pire qu'un bridge spam le deck. Hein. C'est un truc de ouf. Ok. Est-ce qu'on peut pas choper... Ah ouais, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal les petits cochons. Hein. Et ça repart. Là, je pense qu'on est en x2. Donc je peux me permettre de faire ça. Comment il va bloquer là? Il a rien pour bloquer. Il a rien pour bloquer. Hein. Regardez le Dark Prince. Ok, ok, on a un truc. On a un truc, les frérots. Oula, 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 oula. On a un truc, mais faut pas abuser non plus, hein. Oh, la bûche pour ramener au milieu. Allez, on équilibre. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Là, il faut juste retemporiser un petit peu et on enverra le push final. De toute façon, il est obligé de push. Voilà, j'ai un gobelin maintenant. S'il veut pas se faire fumer, attention quand même. Aïe, 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 aïe. On laisse gratter à droite, de toute façon ça équilibre. Attention quand même à pas se faire trop gratter non plus. On va bloquer le prochain, je pense. Voilà, juste ici. Parfait. Ah, j'ai pas beaucoup d'ouverture là. Surtout avec cette boule de feu là. Parfait, et là ça part. Ok. Et bah voilà, tout en douceur hein, au final. Tout en douceur, fallait juste pas paniquer, se concentrer un peu plus sur la game. Et vous voyez qu'on a quand même dominé toute la game en fait, c'est ça. Tant qu'on garde la bonne pression, le bon niveau de pression, il y a eu... Ouais, le push du début, ça aurait pu tourner un petit peu à la catastrophe. Mais vous voyez en fait le problème c'est que si jamais vous envoyez pas assez de pression, il aura un trop gros push. Et vous pourrez pas défendre. Typiquement là il y a un moment s'il avait eu 4 d'élixirs de plus qui me rajoutait les... La mamie, ça aurait pu être compliqué, donc faut vraiment mettre la pression, sinon vous allez vous prendre des bus plutôt énervés. Hein. Ok, prince. Ouh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu lui. Qu'est-ce qui devient le frérot là? Ah! Oh bah excuse-moi. Hein. J'en ai marre. Pourquoi il est allé tout droit? Mais pourquoi il rentre dans le sol? Fais ton taf jusqu'au bout. Non, il avait un coup à mettre. Un coup à mettre, mais j'en ai marre des spammers. Alors lui, je vais le BM. On bluffe, on bluffe. Je vais le BM, les gars, mais d'une force à mettre un bûcheron ballon comme ça. Là, on est où, là? Ok, ok, ok. C'est bon, les gars. Vas-y, pars de l'autre côté, fais la même. Ose faire la même. Ce coup-ci, je suis préparé, là. Ok. Si tu veux, hein. Ça... Oh, il met beaucoup d'élixir là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élixir. Le problème, c'est que j'ai rien dans la main. Ok, il n'y a plus de bûche. Alors là, il n'y a plus de bûche, frérot. Alors là, il n'y a plus de bûche, mec. Alors là, oh, l'esprit de feu sur les bats. Non, on me dit, gros, le pré-shot est magnifique là. Allez, c'est tout. C'est tout. Bon, on a rattrapé quand même un petit peu les dégâts du ballon, mais j'avoue que ouais, j'ai quand même tout pré-shot. Il avait plus de bûche. Le bûcheron fait demi-tour. Je mets l'esprit de feu sur les chauves-souris. Et je gratte que ça, là. Je crois qu'on s'est fait scam, les gars. Et bah, écoutez, on repart. Hein. On repart, on repart. Hop, on repart en pression. Ok, ça peut peut-être connecter sur la tour. Ça peut peut-être splash. Allez, allez, allez. Le splash, ça splash pas. Open. Parfait. Attention quand même s'il y a un petit sort de gel. On se méfie toujours. Hein. Hop là, nickel. Et ça repart, foreuse. Foreuse plus bombardier. C'est la classico. Hein. On prépare pour les chauves-souris peut-être. Les chauves-souris? Oh non, c'était un bûcheron.
Oh, les points de vie de la Tesla. Oh, oh merde. Non, 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 non. Barrez-vous. Barrez-vous, les chauves. Non, j'ai rien contre les chauves, hein, mais les chauves-souris, j'aime pas ça, là. Allez, allez. Oh, il n'y a plus de bûche, encore une fois. Il va bloquer avec un golem de glace. Voilà, ça sert à rien que je rajoute quelque chose. Ah, ça va être dur. Hein. Ça va être dur de défendre derrière. Il faudrait que j'arrive à tuer le bûcheron au pont, sinon on va se prendre encore un bon petit bus. Ok, parfait. Nice, nice, nice. Allez, on bourrine. En fait, ça m'embête de jouer le même côté. J'aurais peut-être dû partir à l'opposé. Ok, encore une fois. Allez, allez, sur la tour. Mais tape. Ah, là, tu me fais plaisir, là. Oh, la boule de feu, là, qui arrive. Oh, la belle boule d'œuf. Oh, la belle boule d'œuf. Oh, j'ai peut-être un peu de... Ok, non, quoique. Ok, c'est pas mal. Voilà, va falloir être solide, là. Ok, on bloque. Regardez la technique. Oh, la technique de ouf. Oh, la technique de ouf. Bloquer le bûcheron au pont, comme ça, c'est le ballon qui passe devant. Et là, je pense que j'ai pas envie de push, là. Là, j'ai juste envie de def. Qu'est-ce que c'est que ça encore, là? Ok, ok, c'est pas mal. C'est une grosse connerie ce qu'il vient de faire. Hein. C'est une grosse, grosse connerie. Et on va essayer d'en profiter au max. Peut-être là. Oh, la bûche, non, qui est bonne. Hein. On refait la même. Hop, on bloque au pont. On envoie une boule de feu, pardon. Hop. Ça passe pas, ça passe pas. On tient bon, les gars. On tient bon, il faut pas passer. La défense est parfaite. La défense est parfaite et le bomber qui va connecter. Nice. Oh, les gars, ils sont durs, hein. C'est dur quand même. Je pense que ça doit être ultra frustrant en face. Nous, ça demande quand même. J'avoue, je pensais que ça demandait moins de skill que ça. Bon, on a quand même full spam les foreuses. Mais on sent que si on fait trop le fou en défense, ça peut vite tourner en n'importe quoi. Hein. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? On est à combien là? On est à 3-1. Allez, une petite dernière. La petite last, les gars. On est à 3-1. Est-ce qu'on peut aller chercher le 4-1? Moi, je pense que oui. Mais ouais, pour l'instant, le deck très très efficace. En fait, vous gardez le contrôle pendant toute la partie. Mais j'aimerais bien voir un petit peu contre un deck un peu plus lourd, peut-être. Genre un biton. Non, mais arrêtez avec vos vols si c'est encore un 3M, là. Ou un PK. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu de PK, aussi. Ok. Ok, ok, ok. On pète le shield tout en tuant la voleuse. Super. Ma Tesla, je vais me la mettre là où je pense. Ou c'est comment, genre? Mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce push? Oh, j'ai une dinguerie à faire, regardez. Je vais mettre la foreuse ici. Et après, j'envoie le Dark Prince, comme ça il envoie la voleuse. Regardez, regardez, il va envoyer la voleuse. Et bam! Ça va rien faire. En vrai, c'est stylé. Si, si, si. Eh, pas mal ou pas, le plays? Hop, ensuite, on bloque un coup d'e-whiz. Ça saute. Bûche. Oh, c'était presque parfait. Si on avait évité... Non. Fou. Si on avait évité le coup d'e-whiz, on aurait envoyé la bûche un peu plus tôt. C'était peut-être... Bon, mais c'est pas grave, écoutez. Hop, on va mettre le bomber ici. Et la foreuse derrière. Tout simplement. Hop là, bonne chance à toi, frérot. Il a plus Dark Prince en plus de ça. Le bélier qui va péter. Mais qu'est-ce que c'est que ce dé? Le mec est fou. Le mec est juste taré, genre. Hop, let's go. À droite, à droite. J'ai vraiment cru qu'il allait partir sur la tour. Hein. La voleuse. Ah, dommage, j'ai rien pour la pré-shot. Oh, ça va rester à un point de vie. Est-ce qu'elle a assez? Ouais, là, c'est pour dash. On va devoir rajouter un petit bomber. Hop, là, sur le côté. Ni vu ni connu. Je pense qu'on peut repêcher là. On peut lui remettre la pression. Il va devoir e-wiz. E-wiz, on peut peut-être le kick de l'autre côté. Vite, vite, vite.
Non, non, pas par là. C'est pas le bon côté, frérot. Après, s'il passe devant, ça me va aussi. Hein. Ok, on va mettre une Tesla. Juste ici, bomber de l'autre côté, les squelettes au middle. Hop, on dévie le bourreau. Et c'est parfait. Hein. Regardez, ça tape. Oh, le tap. Le tapage de zone, là. Je perds mes mots, là. Ok, la bûche. La belle bûche. Regardez la belle bûche. Elle est pas magnifique, cette bûche? Ah, j'ai raté un petit peu. Nice. Et là, ça repart. Regardez, hein, une fois que vous mettez la pression et que vous êtes dans un cycle, c'est un cycle infernal hein, pour lui. Hein. C'est la foreuse infernale. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. GG. On va aller dire bien joué. Et bonne chance. Un peu plus tranquille. Je pense que la version bourreau est peut-être plus dure à jouer pour lui. Puisque bah, son bourreau fait aucune value. Après, il a un peu troll les défenses des foreuses. Hein, on va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, pour le deck d'aujourd'hui. Il est énormément joué à haut niveau. Mais vous voyez que même si on est beaucoup plus bas en trophée, là, on est à peine top 5000. Et le deck fonctionne super bien. Il faut juste garder, voilà, c'est très important, mettre une bonne pression à chaque fois. C'est la seule règle pour ce deck. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce bleu toujours. Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. C'était Lemoti, prenez soin de vous. Ciao, ciao.